vous avons manqué. Vous nous avez manqué aussi. De 300 millions de dollars en 30 minutes aux ETF crypto dans le monde entier et à encore. Rampe vers la Vénus du futur. Regardons les plus grands titres de cette semaine. Le sommet est tellement mieux que le bas. Mais apparemment, 50 centimes n'est pas un mème faisant du shopping. Le rappeur est devenu la dernière victime de piratage en ligne et de promotion crypto. Son ancien compte a été piraté pour promouvoir un mème coin Solana avant l'unité vendredi. Le rappeur a ensuite pris Instagram en disant que ses messages ne venaient pas de lui et que le hacker a réussi à faire 300 millions de dollars en 30 minutes. Ouais! Et la pièce, bien sûr, a chuté après sa malédiction. Les institutions financières font de grands mouvements en crypto. Un géant bancaire britannique, Standard Chartered, lance un bureau de trading de Bitcoin et d'Ethereum à Londres. Pendant que le premier ETF Bitcoin en Australie est lancé, les États-Unis attendent toujours l'ETF Ethereum. Le lancement officiel de l'ATF dans le pays et l'ATF de Ceylan pourrait bientôt arriver au Canada. L'ont-ils fait ou non? C'est la question. Rappelle-toi de la pièce de monnaie de Donald Trump, celle que les gens disaient être créée par ou en soutien de l'ancien président Trump. Eh bien, maintenant un ami proche de la famille Trump, Roger Stone, affirme que personne de la famille n'est impliqué dans la crypto-monnaie de quelque manière que ce soit. Cela contredit ce que Farmer Bro Martin Shkreli a dit de l'implication du fils de baron de Donald avec la pièce. Où est la vérité? Nous ne savons pas encore, mais nous le découvrirons bientôt. Et plus sur la crypto et la prochaine élection présidentielle américaine. Les milliardaires Winklevoss ont chacun a fait un don de 1 000 000 d'or en BDC à la campagne de Donald Trump. Parce qu'ils croient que son administration sera accueillante pour l'industrie de la crypto. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. À demain.